Bonjour, Isabelle Fernandez, médium spirit, voyante. J'avais envie de partager avec vous une bonne nouvelle, en fait, d'une cliente qui m'a contactée tout à l'heure pour m'annoncer une super surprise, surprise entre parenthèses, puisque bon, il y a 6 mois, je lui avais annoncé par l'intermédiaire donc des guides et de ses guides bienheureux un message important pour elle. Donc elle m'a autorisé à faire cette petite vidéo pour parler de son histoire, qui va être brève bien sûr, puisque j'ai une consultation d'ici une demi-heure. Donc pour vous parler de son bonheur, de son grand bonheur par surprise, vous saurez bientôt pourquoi. Et donc sans bien sûr divulguer les noms ni les prénoms, cela reste privé bien sûr. Je vais vous raconter son histoire. Donc, il y a environ 6 mois, elle m'a contactée parce qu'elle avait un désir d'enfant. Et ça faisait à peu près une dizaine d'années qu'elle n'arrivait pas, ça ne marchait pas en fait. Et donc, suite à cette consultation en Messenger, les guides m'expliquaient en fait ce qu'elle devait faire pour avoir cet enfant. Alors je parle pas de médecine in vitro, tout ça, bon, elle a tout essayé et rien n'a marché en fait. Donc tout ça s'est mis de côté, hein, bien sûr, et elle s'était mis en tête au cas où d'adopter et tout, mais c'était encore une autre complication, et vraiment elle avait envie d'enfanter en fait, très important pour elle de porter la vie dans son ventre. Donc à l'époque, donc il y a 6 mois, les guides m'annonçaient en fait qu'elle aurait 3 cadeaux. Et donc ces 3 cadeaux, excusez-moi, problème technique, voilà, ça peut arriver. Et donc 3 cadeaux, 3 magnifiques cadeaux, vous voyez, problème technique, on allume, donc la lumière se fait directement, c'est une connexion avec l'au-delà. Donc, je lui ai annoncé en fait, par leur intermédiaire, qu'elle allait avoir 3 enfants, en fait, des triplés. Donc moi j'ai été surprise quand on m'a annoncé 3 enfants, 3 triplés. Et je savais pas du tout si je devais lui dire qu'elle allait avoir 3 enfants, au moins un, c'est sûr, mais 3 d'un seul coup, ça faisait énorme. Hein. Surtout que c'est la deuxième fois que cela m'arrive. Hein. Donc c'est une probabilité, voilà. Donc vous comprenez là. Et donc je lui demande si elle veut tout entendre et je lui annonce donc on m'annonce 3 enfants en fait. Et elle me dit 3 enfants, elle était très très surprise, même moi j'étais surprise, parce que bon, des jumeaux c'est plus probable, mais 3 enfants sans faire le processus médical, donc bon, ça peut arriver bien sûr, mais c'était là, voilà, c'était inattendu, donc je lui annonce 3 enfants, donc elle a été très surprise et très heureuse aussi, bien sûr. Donc elle m'annonçait que ça faisait une dizaine d'années qu'elle essayait donc d'avoir un enfant, que les choses ne se faisaient pas, qu'elle comprenait pas, qu'elle avait pris toutes les précautions, qu'elle mangeait équilibré pour justement, que c'était pas du tout quelqu'un de stressé et tout. Donc les guides avaient apporté un message qu'elle n'était pas prête, qu'il y avait un temps qu'elle devait attendre. Donc c'est vrai que c'est très très long quand on sort mon désir d'enfant, hein, pour une femme. Donc bon, il y avait tout un processus. Donc elle a compris justement ce processus. Donc tout à l'heure elle m'a appelé pour me dire qu'effectivement elle attendait 3 enfants. Donc elle était dans une grande joie, un grand bonheur, hein. Ça va faire énormément de travail, c'est sûr. Mais elle et son mari sont très très heureux, très ravis. Donc elle est enceinte depuis 3 mois et demi. Donc elle attendait justement de savoir si les enfants, je veux dire si les bébés allaient pouvoir résister, hein, voilà. Donc elle ne sait pas encore, elle m'a pas annoncé encore si c'était justement deux petits garçons et une petite fille, comme je l'avais annoncé à l'époque.
Mais donc nous verrons par la suite hein, si c'est exactement ça. Mais je pense que c'est ça, bien sûr. Hein. Mais avant tout, ce qui est important, c'est que les enfants soient en bonne santé, que la maman se porte bien et que cette grossesse puisse aller à, pratiquement à terme. Voilà. À terme pour, voilà. Et dans quelques mois, elle pourra les avoir tous les trois dans les bras. Voilà, je lui souhaite de gros bisous, un grand bonheur pour cette personne qui est une personne de cœur, une belle personne en fait, une belle âme. Félicitations donc aux futurs parents, hein, parce que bon, on est en train de tout préparer. Donc c'était une petite vidéo pour remercier l'au-delà du message important et de cette aide qui a été apportée à ce couple. Et je leur souhaite plein de bonheur et d'ici là, ben, je vous tiendrai au courant si c'est deux garçons et une fille. Et on m'a donné aussi les prénoms des enfants, donc ça, je ne lui ai pas divulgué. Donc je reste justement en attente la prochaine fois. Donc elle m'écrira les petits mots, les petits prénoms qu'elle pense donner aux enfants sur une petite feuille. Et moi, j'ai déjà ma petite feuille avec déjà les prénoms. Et nous verrons si cela correspond ou pas. Voilà. Ça, c'est un petit clin d'œil avec l'au-delà. C'est pour voir si les messages sont vraiment capté correctement. Bon, allez, je vous embrasse et puis à très bientôt. Au revoir.